Je reste quand même sur mes gardes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on lui a scotché le bout du museau. Pourquoi ? Eh ben parce que à cette taille-là, déjà, même si c'est un jeune, la morsure, elle est juste extrêmement violente. Moi, plus petit que celui-ci, je me suis fait embrocher le bras une fois. Ça m'a laissé 4 trous. Je vous raconte pas la misère. Et ça, c'est un alligator. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un alligator ? Qu'est-ce qu'un caïman ? Qu'est-ce qu'un crocodile ? Comment les différencier ? Eh ben c'est tout simple. Caïman et alligator font partie de la famille des alligatoridés. Et les crocodiles, la famille des crocodilidés. Après, il y a la famille des gavialidés, etc. Mais ça, c'est autre chose. Sauf que caïman et alligator, eh ben en fait, finalement, c'est la même chose. C'est juste une question de localité. Chez les alligatoridés, en fait, la mâchoire du dessus va venir recouvrir la mandibule. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir que les dents. Comme ça, tu vois ? Hein ? Un peu comme ça. Alors que chez les crocodiles, eh ben les deux mâchoires, que ce soit celle du dessus ou celle du dessous, vont venir s'emboîter parfaitement. Et c'est assez fabuleux puisque du coup, les dents parfois dépassent carrément à travers l'os de la mâchoire supérieure. C'est jugé